des amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Sirop de sauge pour obtenir le ventre plat. Le sirop de sauge est idéal pour être consommé au moment de la préparation, de cette façon nous tirerons parti de tous ces avantages et de ces nutriments qui nous aideront à obtenir un ventre plat. La sauge est l'une des plantes les plus bénéfiques et son nom l'indique, car en latin, elle signifie guérir, ce qui dès le début nous présage qu'elle est une plante qui peut nous aider à guérir. Cette plante est très utile pour réguler le cycle menstruel chez la femme, traiter les problèmes liés à la ménopause et constitue un excellent allié pour nous aider à améliorer l'apparence du ventre. Avantage du sirop de sauge pour un ventre plat. La sauge est une plante qui est principalement utilisée comme plante aromatique, mais dans le cas de cette préparation maison qui donne du sirop de salvia à base de médicaments, nous pouvons également atteindre le but de réduire le ventre, ce qui apportera également des avantages pour contrer l'inflammation, réguler la digestion des repas et être un puissant agent de relaxation qui favorise la diminution de la distension abdominale souvent associée à un ventre gonflé. Sage est un allié des femmes. Performance mentale. Prendre une seule dose de sauge commune peut aider à améliorer la mémoire, la concentration et l'attention chez les adultes en bonne santé. Lorsqu'elles sont utilisées en aromathérapie, des espèces telles que la sauge semblent améliorer la vigilance et la mémoire. Les boutons de fièvre, lorsqu'ils sont appliqués sous forme de crème contenant de la sauge et de la rhubarbe, sont très utiles dans le traitement des boutons de fièvre. L'application d'une crème contenant de la sauge et de la rhubarbe peut apaiser les aphtes et les plaies courantes peuvent être presque aussi efficaces que la crème à la cyclovir. Dans ce cas, la sauge et la rhubarbe agissent plus rapidement que la sauge seule. Taux de cholestérol élevé. Prendre la sauge commune environ 3 fois par jour pendant 2 mois peut réduire le mauvais lipoprotéine de basse densité du cholestérol et les lipides appelés triglycérides du sang et augmenter le bon cholestérol de lipoprotéine de haute densité chez les personnes ayant un taux de cholestérol élevé. La mémoire. Prendre une seule dose de sauge commune par voie orale semble améliorer la mémoire. Cependant, ces espèces de sauge ne semblent pas améliorer la mémoire lorsqu'elles sont utilisées en aromathérapie. Symptômes de la ménopause. Les premières recherches suggèrent que la prise d'extrait de sauge commune pendant 8 semaines améliore les symptômes de la ménopause, en particulier les bouffées de chaleur. En outre, d'autres recherches en cours de développement suggèrent que la prise d'une combinaison d'extrait de sauge et de luzerne pendant 3 mois réduit les sueurs nocturnes. Comment cela peut aider à vous offrir un ventre plat? La sauge a une action anti-inflammatoire et digestive qui favorise la réduction de la distension et du volume de l'intestin. De plus, la salvia peut aider à dissoudre les graisses localisées, ce qui a un double effet sur la réalisation des objectifs suivants, un ventre plat. Sirop de sauge pour un ventre plat. Les principaux ingrédients dont nous aurons besoin pour notre préparation seront la sauge et un citron. Si vous pouvez obtenir de la sauge naturelle, c'est beaucoup mieux car cette plante répond à toutes les propriétés contrairement à celles qui sont vendues en sachet. Préparation du sirop. Ce sirop doit être préparé comme une infusion typique, puis le citron sera ajouté au goût. À la fin, vous ajouterez du miel pour lui donner une saveur délicieuse tout en tirant parti des avantages du miel. Avec cela, nous aurons notre sirop de sauge naturelle fabriqué à la maison. Suivez les recommandations suivantes pour savoir comment vous devriez consommer du sirop de sauge pour de meilleurs bénéfices en réduisant le ventre. Comment le prendre? Tout en prenant du sirop de sauge, vous devez suivre un régime pauvre en graisse environ 3 fois par jour et pas plus de 5 jours. Le régime devrait inclure tous les aliments susceptibles de faciliter la digestion, tels que les fibres et les salades, en évitant les aliments susceptibles de causer une accumulation de graisse, tels que les saucisses, la bière, les pâtes ou les farines raffinées, le sucre et le sel. Il est conseillé de préparer le sirop de sauge à chaque fois que vous allez le consommer, car ses propriétés seront plus concentrées immédiatement après sa préparation et peuvent être perdues si nous le laissons stocker.
Vous pouvez prendre le sirop de sauge comme premier verre de la journée, il vous suffit de vous lever et de l'accompagner d'un petit déjeuner léger. À midi, vous devriez le reprendre, avant le déjeuner et la même chose l'après-midi et le soir. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.